Bonjour et bienvenue au Parloir, un balado sur l'histoire du Québec. Pour ce troisième épisode, on reste un peu dans la lignée des deux épisodes précédents parce que, décidément, les thèmes de l'anarchie et du soulèvement, ça semble être des sujets à explorer. Mais cette fois-ci, on va le faire en s'intéressant à une personne en particulier et j'ai nommé Pierre Falardeau. C'était probablement un de nos artistes les plus engagés politiquement au Québec. Et depuis sa mort en 2009, son œuvre et son esprit controversé appartiennent désormais à notre patrimoine culturel. On a avec nous M. Frédéric Poulin pour en parler. Et M. Poulin est un étudiant en histoire à la maîtrise. Il s'est intéressé à Falardeau lorsqu'il a découvert le cinéma d'auteur au début des années 2000. Même s'il le connaissait déjà pour les fameux films d'Elvis Gratton, l'historien en lui a voulu parcourir le reste de ses œuvres avec un nouveau regard, un regard différent, et on est très heureux qu'il veuille bien nous partager tout ce qu'il a appris avec nous aujourd'hui. Bonjour Frédéric Poulin, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, ça me fait plaisir. Donc, Pierre Falardeau est surtout connu comme étant le réalisateur des films d'Elvis Gratton. Mais aujourd'hui, on va découvrir qu'il a laissé une très grande œuvre derrière lui, une œuvre qui s'est malheureusement enterrée dans des confins un peu underground au fil des années. Et c'est une œuvre qui est parfois artistique, parfois chargée politiquement et souvent une belle combinaison des deux. Mais on va commencer de manière simple. Monsieur Poulin, pouvez-vous nous dire un peu qui était Pierre Falardeau? Oui, Pierre Falardeau, c'est quelqu'un, comme vous l'avez dit, qui a marqué vraiment le Québec. Il est né en 1946 à Châteauguay, sur la rive sud de Montréal. Puis son père il vient d'une famille assez, on dirait typique, là. Son père, il travaille dans une caisse populaire. Il va devenir gérant, par contre, de la caisse. Et c'est un homme qui va être très fier du mouvement coopératif. Falardeau va étudier au Collège de Montréal et ensuite il va faire sa maîtrise en anthropologie à l'Université de Montréal à partir de 1967. Il va faire sa thèse de maîtrise va porter sur la lutte professionnelle au Forum de Montréal comme rituel de société. Ensuite, il va être influencé beaucoup par le contexte international des années 60, c'est-à-dire les mouvements de décolonisation là, et d'indépendance dans plusieurs pays, comme par exemple l'Algérie, aussi avec la guerre du Vietnam ou les mouvements des Black Panthers aux États-Unis. Il va devenir rapidement un militant politique, puis il va demeurer un militant là, politique jusqu'à sa mort par ses écrits et par ses films, jusqu'à son décès en 2009. Comme vous avez dit, il est devenu un militant politique, mais pouvez-vous nous expliquer un peu qu'est-ce qui l'a poussé à s'engager dans le monde de la politique? Oui, tout à fait. Son éveil politique va se faire dès l'adolescence. Il va trouver un livre chez lui qui s'appelle « Les Patriotes de 1837-1838 » de Laurent-Olivier David. C'est un livre qu'il va lire à l'âge de 15 ans, qui va vraiment le marquer, puis il va l'aligner sur la voie de la cause de l'indépendance du Québec. Puis après ça, l'année suivante, son père va l'amener à une réunion de militants en faveur de la nationalisation de l'électricité. C'était une réunion sous le nom des Amis du docteur Philippe Hamel. À ce moment-là, ça va avoir une grande influence sur Falardeau et sa pensée indépendantiste et nationaliste. Il va ensuite adhérer au Rassemblement pour l'indépendance nationale aérienne. Il va se sentir appelé par une affiche, tout simplement, qu'il va voir du aérien qui dit quelque chose comme « Citoyen, joins-toi à la lutte, viens libérer ton peuple ». Il va se sentir vraiment un appel personnel. Il va réaliser qu'en tant que citoyen, il peut faire la différence. Puis il va commencer à participer à des manifestations, il va distribuer des journaux du RIN. Puis il va aussi assister au procès en 1963 des premiers membres du FLQ qui vont être arrêtés pour avoir posé des bombes.
Puis ça va vraiment l'émouvoir. Puis à partir de ce moment-là, il va embrasser la cause indépendantiste là, à 100%. Et finalement, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il se dirige vers le monde du cinéma? Parce qu'on s'entend que c'est pas vraiment ça qu'il faisait au début. Effectivement, au début, c'était quelqu'un qui était beaucoup. C'était un grand sportif, Falardeau. Toute son adolescence, son énergie va être mise dans le sport. En fait, il va découvrir le cinéma assez jeune à travers les grands documentaristes de l'ONF, puis le courant de ce qu'on va appeler le cinéma vérité, avec des personnes comme Gilles Groult, Pierre Perrault, Michel Brault. C'est des personnes qui vont vraiment, vraiment le marquer. Il va même, à partir de sa. En faisant sa thèse de maîtrise, il va créer un film justement en appui à sa thèse de maîtrise, en complément, disons. Puis, il va aussi bénéficier de l'apparition du vidéographe. Le vidéographe, c'était une organisation qui a été fondée par certains membres de l'ONF afin de démocratiser un peu le processus du cinéma, en fait. Puis, ils vont donner aux étudiants ou les personnes qui sont intéressées à faire des films des tables de montage pour faire de la vidéo surtout. C'était un projet surtout vidéo qui dit aussi vidéo dit des coûts de production moindres que sur pellicule, qui va permettre un peu justement comme la mission du vidéographe de démocratiser en fait là, le cinéma la production cinématographique. Donc ça va donner à Pierre et à Julien Poulin qui va devenir aussi un réalisateur avec lui plus tard les moyens de faire des films là, comme il veut les faire. À moindre coût. Donc, il a commencé en étant plus un activiste politique et maintenant il a découvert le monde du cinéma et il va utiliser le cinéma comme moyen d'exprimer ses vues politiques, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Tous ces premiers films, qui sont en fait souvent des courts-métrages, sont très chargés politiquement, en fait, même le Continuons le combat, qui va être son premier film sur la lutte, va commencer avec les paroles qui disent SOS FLQ, SOS FLQ, pour justement, on prend déjà position en faveur du FLQ. Donc, il va garder cette charge politique-là durant toute son œuvre, durant toute sa carrière, mais c'est présent dès le début. Puis pour lui, l'art, il ne croit pas à l'art pour l'art, Falardeau. Il est plutôt une personne qui croit que tout art est politique. Donc, pour lui, faire des œuvres artistiques au cinéma, ça implique justement de prendre une position politique et de la maintenir. Et c'est même un devoir de le faire pour lui. Ça fait partie du militantisme là, dans lequel il prend part. Pouvez-vous nous parler d'une œuvre marquante selon vous qui a créé en dehors d'Elvis Gratton? Oui. En fait, il y en a plusieurs, là. Je ne sais pas si vous voulez que j'élabore plus, mais Commençons par, disons, une des premières. parfait. Ben, je dirais que moi, je divise pas juste moi, mais plusieurs personnes divisent un peu son œuvre cinématographique en une espèce de trois volets. Le premier volet, c'est les pamphlets. C'est un peu ça avec lequel il va commencer de toute façon. Fait que je pense qu'on va y aller comme ça en premier. Je dirais que son tout premier film en 1971, Continuons le combat, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Puis, ça montre l'influence de Michel Brault, qui avait tourné lui aussi un film sur la lutte 10 ans plus tôt, dont une technique qui aime beaucoup, la voix off. Il va faire la narration sur Continuons le combat et des personnages qui font de la narration en voix off ou lui-même qui fait de la narration en voix off. C'est quelque chose qui va revenir à travers pratiquement toute son œuvre, même des films qui sont, disons, plus commerciaux, puis qui ne sont pas nécessairement là, des documentaires en forme de pamphlet. Continuons le combat. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au début, quand le film a commencé à être projeté, il n'y avait pas de bande sonore. Donc, Falardeau faisait lui-même la narration par-dessus les images au fur et à mesure des représentations. Donc, ne serait-ce que parce que c'est la première, puis. La première œuvre d'un réalisateur, c'est souvent la clé, un peu la clé de voûte pour comprendre le reste de son œuvre. Puis je trouve que son militantisme, comme je l'ai dit tout à l'heure avec le SOS FLQ, dès le départ, met le ton. Et ensuite, on voit aussi quelque chose d'autre que Falardeau va montrer en fait tout au long de son œuvre. C'est
le respect un peu et de la culture, qu'on peut dire, disons, les petites gens, les personnes de tous les jours. Il ne va pas regarder d'un piédestal, disons, les personnes qui aiment la lutte professionnelle, qui est souvent vue un peu par l'élite intellectuelle comme un sport un peu gênant, disons, ben, pas un sport, un spectacle un petit peu gênant. Beaucoup de choses comme ça qui sont un peu mal vues, pas mal vues, je dirais, mais un peu moins prisées là, des élites intellectuelles, mais qui font aussi partie du quotidien des gens de l'époque. Donc, c'est intéressant de voir qu'on présente déjà la lutte dans son premier film. C'est très significatif là, pour le comprendre le reste de son œuvre. Ensuite de ça, je dirais que dans la période des pamphlets, il y a Le Magra, qui est très intéressant. C'est un film qui est réalisé avec Julien Poulin. Le Magra, c'est des images de l'école de police de Nicolette. En fait, on voit les futurs policiers s'entraîner. Puis, en fait, Falardeau et Poulin voulaient montrer on n'est pas parents, en passant, moi et Julien Poulin. Puis, Falardeau voulait montrer, en fait, ce qu'il appelait le fascisme ordinaire. La répression un peu, là... des forces policières qui est comme un peu encore dans l'œuf, là, parce que lui-même a subi des violences policières, là, va subir en fait plus tard des violences policières, puis c'est quelque chose qui va rester par après dans son œuvre, mais qui était déjà là auparavant. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant à comprendre, puis ça montre aussi l'espèce d'arrogance du réalisateur, parce qu'il va aller filmer ces images-là à Nicolas avec Poulain en faisant à croire aux personnes là-bas qui fait un documentaire anthropologique dans le contexte de ses cours sur la police, qui en fait, ça n'a jamais été son but. Donc, ils ont filmé des images un peu de façon clandestine, sans être clandestin, dans le sens que le but n'était pas vraiment avoué aux personnes. Quand ils sont retournés au vidéographe puis ils ont monté le film, la police a été mise au courant du but du film et de la teneur un peu. Donc, la police a interdit le film. Film a donc été présenté de façon clandestine. C'est important, je trouve, parce que ça montre un petit peu l'arrogance puis la combativité un peu de ce personnage-là qui a quand même quelque chose à dire puis qui va un peu reculer devant rien pour tenir son bout, on va dire, dans ce à quoi il croit. Puis si je vais nommer peut-être une dernière œuvre, c'est Pea Soup. En fait, c'est un film, c'est un collage d'images puis d'actualité sur, en fait, l'aliénation du peuple québécois par rapport aux élites anglophones. C'est quelque chose qu'il va réaliser avec Julien Poulin puis qui va tourner sur une longue période, je crois que c'est 6 ans. Ça va être aussi le premier long métrage de Falardeau. Je crois que ça dure un petit peu plus d'1h30. Tandis que les autres, c'était plus, là, les plus longs, je crois que c'était autour de 29 minutes, là, même pas tout à fait 30 minutes. Donc, c'est son premier pas là, vers là, quelque chose de plus vaste, si on peut dire. Puis, il réalise ça en 1978, tandis que Continuons le combat, qui était son premier, c'était en 1971. Donc, on parle de 7 ans à peu près là, d'évolution là, à cette époque-là. Et Pea Soup, c'est connu pour le PFK Kid, que oui. Moi-même, ça m'a marqué, le PFK Kid. Puis souvent, les gens, ils vont un peu rire de cette scène-là avec cet enfant qui mange du poulet PFK en parlant de manière un peu vulgaire. Mais Falardeau, c'était quoi vraiment son message avec Pea Soup? C'est montrer, en fait, l'acculturation puis l'aliénation du peuple québécois. Donc, on voit le gars, le petit gars, qui mange du PFK, qui est comme le poulet on va dire des Américains là, par excellence. Puis il parle de son rêve un peu à lui, il veut conduire des camions. Puis c'est l'influence de la culture américaine sur la culture québécoise, puis qui vient même jouer jusque dans nos rêves d'idéaux qui sont comme un peu calqués sur le rêve américain. Un petit peu, c'est ça qu'il voulait montrer à cette époque-là. Ce qui est intéressant aussi de voir que c'est vraiment un peu... Il reproduisait un peu la pensée de toute une espèce de génération, ou du moins d'une certaine classe sociale qui était comme acculturée par la présence des États-Unis là, et tout ce qui en découle, là, le fast-food, les autos, puis ces trucs-là. Il y a quelque chose que je ne sais pas au point de vue chronologique comment le classer, c'est le temps des bouffons.
C'est un film qui va tourner pour l'ON avec l'accord de l'ONF en 1985, mais qui va seulement sortir en 1993. C'est un banquet du Beaver Club à Montréal, qui est comme un peu une célébration de l'élite montréalaise, souvent que Falardeau associe à la domination des élites canadiennes-anglaises. Il y a des francophones, évidemment, qui font partie du Beaver Club, mais ils sont comme soumis et ils marchent un peu avec l'ennemi, là, selon Falardeau. Pour lui, c'est l'équivalent des collabos là, en France, durant la Seconde Guerre mondiale, qui ont collaboré avec les Allemands. Il utilise ces mots-là de toute façon lui-même, c'est pas une comparaison que je fais, là. Donc, il va réussir à tourner ça. Ça va être tourné sur pellicule, celui-là, en 16 mm à l'époque. Quand il va faire le montage, puis il va le présenter à l'ONF, l'ONF va rien vouloir savoir de ça, puis ils voudront pas s'en mêler. Fait que le film va sortir beaucoup plus tard. C'est la raison pour laquelle il va sortir seulement en 93. Il n'y aura pas vraiment de sortie officielle. D'un, c'est un court-métrage. Puis aussi, Falardeau va encourager la copie un peu de film, puis il veut que les gens le distribuent en copiant des VHS. Moi-même, j'ai découvert ce film-là à l'époque au Cégep, et c'était une copie VHS qu'on m'avait donnée de façon là, pour m'encourager, disons, à joindre là, le mouvement indépendantiste qu'on faisait, ce qu'il y avait beaucoup à l'époque. Donc, c'est un petit peu un saut en avant dans le temps, le point de vue de la chronologie de son œuvre. Par contre, elle chevauche un petit peu les deux périodes comme elle a été tournée un petit peu là avant. Et ensuite, on arrive à des œuvres un peu plus, ces œuvres un peu plus principales, comme 15 février 1839, octobre. Est-ce que c'est ça la nouvelle période? Ouais, en fait, la nouvelle période va commencer quand même avec Elvis Gratton. OK. Elvis Gratton va sortir en 85, qui va s'appeler le Elvis Gratton. Je crois que le titre officiel, c'est Elvis Gratton, le King des Kings. Mais ça regroupe en fait trois courts-métrages que Falardeau avait fait. Un en 1981 qui s'appelait Elvis Gratton. Un en 83 qui s'appelait Les Vacances d'Elvis Gratton. Puis le dernier en 85 qui s'appelait Pas encore Elvis Gratton. Ces trois-là vont être ramassés et mis ensemble pour faire Elvis Gratton, le King des Kings. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui vont se critiquer le film en disant qu'il n'y a pas vraiment une trame narrative de A à Z dans l'histoire. Mais c'est voulu parce que c'est trois espèces, un collage en fait de trois périodes, disons, différentes de la vie d'Elvis Gratton. Puis le premier volet en 81, il va le tourner vraiment là, en réponse un peu au référendum de 1980, là, où est-ce que le non va l'emporter. Il trouve un peu que c'est le. Il trouve qu'Elvis Gratton, en fait, c'est une représentation du colonisé parfait. Là. Puis il trouve que le Québécois qui a voté non, ben, c'est le parfait colonisé là, du Canada anglais. Donc il voulait rire de ça. C'était vraiment une réponse assez acerbe qu'il voulait faire. Mais le film s'est comme transformé en comédie culte par la suite, qui n'était pas vraiment l'intention de Falardeau au départ. Même au départ. Au départ, je peux m'exprimer ici, c'était voulu être un film dramatique. Les premières ébauches de scénario qu'il a fait avec Julien Poulin, c'était l'histoire d'un gardien de sécurité dans un centre d'achat, si ma mémoire est bonne. Puis le soir, pour s'évader de son quotidien aliénant, bien, il participait à des concours d'imitation d'Elvis. Plus ils ont parlé du projet, plus ils ont décidé de virer ça en comédie, mais qui était un peu. Un petit peu une gifle au visage là, du peuple québécois, dans un certain sens. C'est comme c'était un peu regardez-vous. Puis c'est pour ça que certains. Je crois que c'est Georges Privet, le journaliste, qui a appelé la trilogie d'Elvis Gratton la trilogie du constat. Parce que ça c'est comme une constatation de l'état du peuple québécois à ce moment-là, selon Pierre Falardeau. Contrairement à son une autre. D'autres de ses œuvres, comme vous avez nommé le 15 février 1839, Octobre et Le Party, que Georges Privet nomme la trilogie du combat. En fait, qui va montrer plus un peu là, la combativité, puis la lutte pour l'indépendance, qui est au cœur de toutes les œuvres de Falardeau. Faut pas se tromper là-dessus. Puis même s'il y a beaucoup de critiques qui vont un peu mettre en dérision là, les Elvis Gratton, pour Falardeau, il s'est toujours défendu que pour lui, c'était des œuvres au même titre que ses autres, puis qu'il voit ça comme un tout assez cohérent. Puis là, si on parle des œuvres, c'est ça plus, on va dire, plus sérieuses, si on veut, même si lui, il les trouvait sérieux, il trouvait quand même Elvis Gratton sérieux.
dans une certaine mesure, il était quand même conscient qu'il essayait de faire de l'humour assez vulgaire parfois, qui parfois marchait, parfois marchait pas, et il faut bien l'avouer, là, surtout dans le dernier volet. Si on revient, c'est ça, à la trilogie du combat, le premier, ça va être le party, qui se passe en prison. C'est l'histoire d'artistes qui vont faire un spectacle pour des prisonniers. Donc, pendant une soirée, ben, les prisonniers vont pouvoir goûter à une certaine liberté. Ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est en fait, il y a deux choses qui sont on peut retenir de ça. C'est le message que l'art est libérateur. En fait, même s'ils sont prisonniers, même s'ils sont confinés, une soirée avec une soirée artistique, une soirée de spectacle peut libérer les prisonniers, du moins pendant un certain laps de temps. Donc, le message est quand même que l'art nous libère. L'autre chose que je trouve intéressant dans le party, c'est que c'est sa première collaboration avec Francis Simard. Francis Simard, c'était un membre du FLQ qui a participé à l'enlèvement du ministre Pierre Laporte, qu'on va parler dans bientôt avec le film Octobre. Puis, Falardeau va rencontrer Francis Simard en prison en projetant le film Le Magras. Il était en période de semi-libération à ce moment-là, parce que même s'il a été condamné à vie, Francis Simard va être libéré, je crois, en 82, il a été condamné en 72, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est la première collaboration, c'est avec lui qu'il va écrire le film The Party. Puis, pour Octobre, qui est un film qui porte sur les événements d'Octobre et les événements, en fait, qui mettent en vedette, en guillemets, Francis Simard, l'enlèvement du ministre Pierre Laporte lors des mouvements de... Je ne veux pas dire terroriste, là, mais disons assez violent, là, du Front de libération du Québec qui luttait pour l'indépendance. On va voir dans le film, justement, là, ça commence avec l'enlèvement du ministre, pratiquement. Là, dès le début du film, on enlève le ministre, puis c'est pratiquement un huis clos jusqu'à la fin là, de la cellule d'enlèvement, puis qu'est-ce qu'ils décident de faire, la pression qui est sur eux, comment eux voient la politique. Puis même à cette époque-là, même pas à cette époque-là, excusez-moi, mais dans ce film-là, on voit la technique de voix off aussi, alors que Luc Picard va lire un poème de Gaston Miron, qu'on va voir en écran partagé la photo de Gaston Miron avec son nom dessous. Parce que Falardeau croyait beaucoup à donner aux gens des éléments pour qu'ils puissent comprendre la réalité, même si les gens n'ont pas accès à certaines notions par soit leur éducation, soit par leur milieu de vie. Ils croyaient beaucoup à véhiculer des notions importantes là, pour comprendre le monde, en fait. D'ailleurs, l'affiche du film Octobre, ce qui est intéressant, c'est que ça va être vraiment... On voit cette technique-là, parce que c'est quelqu'un avec une arme à feu avec les mains, masqué, une arme à feu dans les mains. Falardeau se disait, je le sais que ça vend, puis ça va attirer le monde. Mais il a quand même mis sur l'affiche une citation de René Char qui disait, il refusait les yeux ouverts, ce que d'autres acceptent les yeux fermés. Donc, il voulait amener quand même une certaine connaissance d'une culture à des gens, peut-être qu'ils n'étaient pas habitués d'avoir ça, pour leur donner le goût un petit peu, puis de réfléchir, puis de partir avec quelque chose un petit peu de plus que simplement le film. Du moins, c'est ce qu'il voulait faire. Puis le film Octobre, quand j'ai fait le lien avec Francis Simard, oui, ça raconte son histoire, mais c'est basé aussi sur un livre que Francis Simard a écrit qui s'appelle « Pour en finir avec Octobre ». Puis le dernier volet là, de la trilogie du combat, c'est le 15 février 1839, qui raconte les 24 dernières heures de la vie de Chevalier de Lorigny, de son nom de naissance, c'est François-Marie Thomas, son prénom, mais il y avait un surnom qui était Chevalier, donc on l'appelle le Chevalier de Lorigny souvent dans la littérature, et de Charles Indelang, qui seront pendus, en fait, suite à leur participation aux rébellions de 1837-1838. Donc, c'est un autre huis clos dans une prison où est-ce qu'on voit vraiment là, ce que la charge émotive que peut avoir la lutte pour l'indépendance face aux personnes, en fait, par rapport aux personnes qui ont été vraiment impliquées dans les premières luttes un peu pour l'indépendance, la fameuse rébellion des Patriotes. Puis c'est son dernier film de sa trilogie du combat, comme Privet le nomme. Mais ce qui est important aussi, c'est ce qui est drôle dans un certain sens, ce qui est comme ironique peut-être, c'est on revient un petit peu au début, parce qu'il parle des rébellions de 1836, des conséquences en fait des rébellions de 1837-1838,
Mais si on revient au début, comme je disais tantôt, en 1961, pour lui, un peu la première, son premier un petit peu goût de l'indépendantisme, puis de la séparatisme, c'est le livre de Laurent-Olivier David qui s'appelait Les Patriotes de 1837-1838. Donc, ça ramenait un petit peu le tout au début, puis ça. Puis ce qui est intriguant un petit peu, si je peux me permettre de revenir sur Octobre, c'est le film a eu la difficulté à être produit, évidemment, par son sujet, mais il a été récompensé par premièrement, le prix Mawsood-Weenay, qui est remis au meilleur film québécois de l'année. Ce qui est quand même un peu particulier, c'est que Falardeau va accepter le prix, même s'il porte le nom de Mawson, qui un nom qui est souvent décrié comme faisant partie des élites anglaises qui ont écrasé les Canadiens français pour Falardeau. Mais il attendait un enfant, si je me trompe pas, à l'époque, il avait besoin de l'argent. Donc, il va l'accepter, le prix. Mais la soirée même, il va faire un discours où est-ce qu'il va parler contre l'organisation, en fait. Ce qui est un peu spécial, mais qui montre vraiment là, le bonhomme, là. Puis le film Octobre, justement, va avoir un rayonnement un petit peu international. Il va être présenté au Festival du cinéma québécois de Blois en France en 1995. Puis il va remporter le prix de la Salamandre d'or, qui est le seul prix en fait du festival. Ce qui est intéressant un petit peu là-dessus, pour l'anecdote, c'est que à l'époque, en 1995, c'est la SODEC qui finance le festival en France. Puis, ce qui est intéressant et un peu particulier, où est-ce qu'on voit que Octobre demeure un sujet tabou, même au Québec, c'est que la SODEC, en fait, remplaçait la SOGIC, qui était la Société générale des industries culturelles, qui était un organisme de financement de plusieurs projets culturels, mais qui était proche du Parti libéral, donc opposé souvent à l'indépendance du Québec. Tout au long de l'existence de la SOGIC, le Festival de Blois n'a jamais eu de problème d'ingérence du tout au point de vue de la programmation. Cependant, en 1995, lorsque la SODEC arrive, la SODEC était beaucoup plus proche du Parti québécois. La SODEC, qui est en fait la Société de développement des entreprises culturelles, va être plus pro-indépendantiste, mais vont mettre des bâtons dans les roues à l'organisateur du festival qui voulait créer une programmation spéciale en 1995 qui allait s'appeler Octobre, 25 ans après. Il y avait le projet de présenter un programme de trois films dans cette optique-là, sous la bannière Octobre, 25 ans après. Il y avait le film Octobre de Falardeau, il y avait un documentaire et il y avait aussi Les Ordres de Michel Brault. La SODEC a contacté en fait le directeur du festival et lui a dit qu'il pouvait présenter ces films-là, mais il ne pouvait pas les amener ensemble sous la bannière d'Octobre, 25 ans après. Donc, les films ont été présentés. Octobre remporte la Salamandre d'or, le prix du festival. Et l'année d'après, la SODEC coupe les fonds au Festival de Blois et c'est la fin du festival. Ce qui est quand même un petit peu particulier quand c'était une bonne vitrine de rayonnement, disons, pour le cinéma québécois à l'international. Ce qui est intéressant un petit peu aussi, c'est que il y a un scénario que Falardeau a écrit qui n'a jamais été produit, puis qui a été publié par contre à titre posthume, qui s'appelle Le jardinier des Mawson. C'était l'histoire de soldats du 22e régiment lors de la Première Guerre mondiale, commandés par un capitaine, je crois, ou un sergent, je me souviens plus du grade, qui s'appelait Jules Simard, qui parlait un petit peu là, c'était ce groupe de soldats-là qui ont des informations selon lesquelles les Allemands creusent des tunnels sous eux, puis qui vont les faire exploser. Puis ça dure 4 jours le film, puis c'est les soldats en fait du 22e qui attendent la relève là, pour pouvoir s'en aller du front. Et ils ne savent pas s'ils vont exploser d'une journée à l'autre. Donc, il y a beaucoup de conversations qui vont avoir lieu entre les soldats. Encore une fois, c'est un huis clos. Le huis clos, c'est quelque chose que Falardeau aime vraiment beaucoup. Il avait commencé originellement à faire ça par souci d'économie, parce que ça coûte beaucoup moins cher de filmer des gens dans la même pièce, disons. Par contre, au fil du temps, c'est quelque chose qui va trouver
qui est une belle technique cinématographique pour exprimer ce qu'il pense. Donc, c'est encore un petit peu un huis clos. Le scénario va être non seulement publié, comme je disais, après la mort de Falardeau, mais aussi va être adapté en forme de bande dessinée qui sont presque des storyboards par Pierre Forgue. Puis, ça va être même financé par une campagne de sociofinancement sur Kickstarter. Finalement, là, le livre a vu le jour, là, je crois, il y a quelques années. Falardeau, quand on l'imagine, on voit un homme avec sa jambe croisée, son dos courbé, à fumer des cigarettes une après l'autre. Puis c'est aussi un homme qui n'avait pas la langue dans sa poche. Il créait beaucoup de controverses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi exactement est-ce que cet homme créait de la controverse? Oui, c'est effectivement quelqu'un qui crée beaucoup de controverses et je crois qu'on peut dire que un des facteurs qui est vraiment important quand on parle de la controverse qu'il créait, c'est vraiment le langage qu'il utilisait. Lui, bien parler, comme il disait le parler de Radio-Canada, il était contre ça. Il était plus, il voulait être près du peuple et parler comme le peuple. Donc, lui, il s'est jamais. Pourtant, c'est quelqu'un qui écrivait très, très bien. Si il a publié, il y a certains livres qui ont été publiés, qui sont des recueils de textes qu'il avait publiés à l'époque dans certains journaux. Puis c'est très, très bien écrit. Puis, il y a beaucoup de références littéraires à d'autres auteurs. C'est quelqu'un de très cultivé, mais malgré tout, quand pour les gens communs qui l'entendaient parler, on le retenait un peu d'une part, comme vous avez dit, avec le dos courbé, la cigarette au bec, mais aussi avec son franc-parler, puis ses sacs multiples, là, il faut pas se le cacher. Je crois qu'une partie de son message crée la controverse par le langage qu'il utilisait. Aussi, comme on a vu tout à l'heure, un petit peu, je parlais de son arrogance dans ses films, ben, c'est quelque chose qui va garder avec lui aussi dans ses propos et dans ses textes, là, dans les nombreux journaux dans lesquels il va publier. Donc, ça alimentait beaucoup la controverse. Aussi, c'est parfois ces thèmes qui étaient un petit peu, qui mettaient le feu aux poudres, là. Entre autres, il va écrire un texte à la mort de Claude Ryan, qui était un député libéral. Il a été chef du Parti libéral aussi. Puis, à sa mort, Falardeau, ben, en fait, Claude Ryan est surtout reconnu comme avoir été un grand partisan du non. De l'option du non pour le référendum de 1995. Donc, quand il va mourir en 2004, Falardeau va y aller d'un texte assez virulent contre Claude Ryan, qui va soulever la controverse. Surtout par la fin du texte, où est-ce que Falardeau va signer avec Salut pourriture. C'est évidemment quelque chose qu'on peut imaginer qui a pris les gens un peu à rebrousse-poil. Par contre, Falardeau a hésité longtemps. Dans ce cas-là, il avait hésité longtemps avant de signer le texte comme ça. Puis quand il l'avait envoyé au début au Québécois, le journal de Québécois, je crois, il avait pas ces mots-là à la fin. Mais le lendemain matin, il s'est réveillé puis il a dit, ah, je vais y aller avec ça. Il a appelé l'éditeur puis il a dit, peux-tu rajouter ça, en sachant très bien ce que ça allait faire. Par contre, les gens ont retenu seulement ça comme de quoi il un peu insultait quelqu'un qui venait de décéder là, pas longtemps après, mais pourtant, puis Falardeau s'en défend, c'est que son texte décrivait un peu les étapes de sa haine, si on veut dire, de Claude Ryan, puis pourquoi il disait ça à la fin. Mais les gens ont vraiment pas fait, ont fait abstraction en fait de tous ces arguments et ont vraiment gardé juste la clip de son salut pourriture, d'ailleurs, qui va l'amener à des émissions de télé pour se défendre de ça. Puis il va être insulté un petit peu de ça, que les gens ne prennent pas la peine de tout lire sa pensée. Mais des fois, quand on parle de la controverse qu'il crée, comme vous avez posé la question, en fait, je crois que parfois, ça nuisait un peu à son message. C'est malheureux, mais les gens accrochaient beaucoup plus à ses grandes sorties, ses grandes envolées, que son message parfois. Puis les gens n'allaient pas plus loin. Puis je crois que c'est quelque chose qui mesurait pas vraiment l'impact que ça pouvait avoir là, de dévier un petit peu les gens de son message. En fait, ça c'était un peu contre-productif malheureusement, mais oui, c'est quelqu'un qui suscitait énormément de controverses, puis depuis le début jusqu'à sa mort. En fait, même en 1980, en début des années 90, là, il y a eu une loi qui a passé la Cour suprême du Canada qui a permis à Robert Bourassa de ramener l'affichage bilingue dans l'affichage commercial.
Puis Falardeau va militer, en fait, va faire une vigile devant Radio-Canada chaque mercredi pendant une année complète. Le mouvement va finir par s'essouffler, mais lui va être là tout de même à chaque mercredi pendant un an de temps, puis il va finalement juste quitter les lieux parce qu'il va commencer à tourner octobre. Il va avoir finalement eu le financement pour tourner octobre. Fait que c'est la seule raison pourquoi il arrête. Donc, c'était quelqu'un vraiment têtu, comme on peut voir. Quelqu'un qui était vraiment fort de ses convictions, puis quelqu'un qui osait pas, qui n'était pas gêné de créer la controverse, là, si il estimait du moins que c'était nécessaire. Vous avez parlé de son message. Bon, on s'entend que c'est sûr qu'un de ses messages, c'était qu'il voulait l'indépendance du Québec et aussi qu'il voulait un peu se soulever contre l'impérialisme ou l'autorité. Mais quand on regarde Elvis Graton, par exemple, ou le PF Caulquier, est-ce qu'il envoyait aussi un message aux Québécois qui pourrait ressembler un peu à une espèce de... Comme s'il voulait nous montrer, regardez qui vous êtes. Est-ce qu'il riait un peu de nous? Tout à fait. Puis il y a certains analystes puis critiques qui justement pensent que c'est pour ça que certains Elvis Graton, surtout le 2 et le 3, ont été mal reçus parce qu'en fait, leur analyse était que ça fait toujours mal de regarder nos défauts un peu dans le miroir, là. Puis Elvis Graton, dans une certaine mesure, et dans l'esprit de Falardeau, nous renvoyait l'image un peu de ce que lui voyait comme le Québécois colonisé, puis qui était en réalité, pour lui, il réalisait bien une grosse partie des Québécois. Si le nom a passé deux fois, ben pour lui, c'était pratiquement la moitié des Québécois qui étaient contre lui un peu. Puis il l'a souvent dit qu'il était pas. Il s'est déjà fait accuser d'être raciste, mais pour lui, il était internationaliste, puis il soutenait la lutte pour la liberté de tous les peuples dans le monde qui osent prendre les armes ou qui militent du moins là, pour leur propre liberté. Donc oui, il y avait une certaine. Ben, je dirais pas agressivité, mais il y avait le désir d'envoyer une pointe sérieuse aux Québécois en leur disant, voyez ce que vous avez l'air, voici ce que vous êtes, voici ce que vous devenez, et c'est à vous de prendre le relais pour changer ça. C'était ça, son message le plus. Il espérait tellement que les gens embarquent dans la cause, puis ça le fâchait quand les gens étaient un peu passif là, par rapport à ça, parce que lui, c'était un militant du quotidien, comme il disait, il a fait des graffitis quand il était jeune, il s'est fait arrêter par la police quand il faisait des graffitis par rapport au projet de la loi 101, il a été tabassé toute une mi-temps par des policiers dont il va recevoir plutôt un coup de matraque là, sur l'arcade sourcilière qui va lui créer des problèmes de vision tout le reste de sa vie. C'est quelqu'un qui admettait pas puis qui comprenait pas que les gens veulent pas se battre pour la liberté, parce que pour lui, la liberté, ça passe, et l'indépendance passait même au-dessus des considérations partisanes. Pour lui, la liberté, il disait, c'était une valeur en soi, ça fait pas partie d'un programme, disons, de gauche ou un programme de droite, ça devrait être au-dessus de tout ça, puis la chose la plus importante. Donc, on peut voir, c'est quelque chose qui lui tenait vraiment, vraiment à cœur. Puis je pense que quand vous dites qu'il riait peut-être du peuple québécois, il était vraiment. Oui, il riait. Je crois qu'il riait, c'était une façon douce de faire passer son message. Parce que je crois, personnellement, je vais parler pour moi, mon analyse maintenant, là, je crois qu'il y avait une rage envers ceux qui ne luttaient pas pour l'indépendance. Puis il a souvent dit, j'ai dit tantôt qu'il se faisait accuser de racisme, il disait, c'est pas une question de couleur, tu sais. Je vais le citer un peu comme lui, là, je paraphrase. Il disait, tu peux être blanc, noir, jaune avec des pois verts. Il dit, tant que tu luttes pour l'indépendance, t'es mon frère. Puis si t'es pas pour l'indépendance, je t'haïs. Il a déjà dit ces paroles-là, pratiquement mot pour mot. Donc, on voit très bien que la partie du peuple québécois qui était colonisée, selon lui, puis qui s'était un peu laissé embarquer dans le bateau là, du néocolonialisme canadien-anglais. Ça l'enrageait, puis oui, il était contre ça, puis oui, c'était un peu pour. En fait, il espérait, malgré tout, les brasser assez pour les faire réagir, puis les faire embarquer. Mais ça passait beaucoup un peu par un peu, là, certaines formes de dénigrement de cette frange-là du peuple québécois, là, absolument.
Comme on a dit en début d'entrevue, son œuvre est un peu dans les couches underground de la cinématographie québécoise. Pour les auditeurs qui nous écoutent en ce moment, Frédéric, pouvez-vous nous dire quelles sont les œuvres qu'on devrait impérativement visionner de Monsieur Falardeau pour bien le connaître et apprécier son art et son message? Ben, disons que si je limite ça à quelques œuvres, je dirais, je vous suggérerais d'écouter Pea Soup, définitivement, qui est son premier long métrage qu'on a vu tantôt. Octobre, le film Octobre sur les événements là, de l'enlèvement du ministre Pierre Laporte, qui est définitivement important. Le 15 février 1839, qui est selon moi un petit peu son film. Je dirais un peu son chef-d'œuvre, là, dans le sens que c'est aussi tourné en 2001, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience rendu là. On le voit aussi dans la direction des acteurs. C'est un film très intéressant, très touchant aussi. Donc, je crois vraiment que le 15 février 1839, c'est vraiment un incontournable. Et je dirais quand même, malgré tout, si on veut comprendre un petit peu l'œuvre complète du personnage, puis on veut pas nécessairement se taper toute la filmographie. Le premier, Elvis Graton, mais en l'écoutant un petit peu avec la façon un peu avec laquelle j'ai présenté. Quelque chose comme une charge et une réponse là, après le suite au référendum de 1980. Quand on le regarde à travers ces lunettes-là, on voit vraiment le film différemment, puis on peut un petit peu là, dégager là, les concepts à travers un peu l'humour qui passe bien ou pas bien là, selon nos goûts personnels, je dirais. Il y a aussi le documentaire Le Steak que Falardeau a co-réalisé avec sa compagne Manon Leriche en 1992, qui se situe entre le film Le Party puis Octobre, qui est comme un peu différent là, de la filmographie de Falardeau à cette époque-là, du fait que c'est un documentaire sur la boxe, en fait sur Gaétan Hart. Falardeau a toujours été un amateur de boxe. À la fin des années 60, il allait même voir les combats au Forum de Montréal avec une caméra sans pellicule afin de se faire passer pour un caméraman et avoir accès à des bonnes places où est-ce que les gens le laissaient regarder les combats supposément en train de filmer. C'était aussi un fan de Mohamed Ali qui était très important dans le mouvement des droits civiques aux États-Unis, pour qui Falardeau avait une grande admiration. Falardeau, quand il a pensé à faire un film de boxe, au début, on parle de fin des années 70, il cherchait une espèce de grand combat qui aurait une signification plus grande que juste le sport. Un peu comme le combat de Mohamed Ali contre George Foreman au Zaïre, où est-ce que ça représentait un petit peu, Ali représentait le tiers-monde, puis Foreman représentait l'establishment américain, si on peut dire. Il va pas trouver ce grand combat-là, même s'il va quand même prendre contact avec un boxeur noir qui s'appelle James Scott, qui était incarcéré pour meurtre au pénitencier de Rahway, au New Jersey. Il s'entraînait à l'intérieur du pénitencier, puis il va même faire quelques combats à l'intérieur du pénitencier qui vont être diffusés à la télévision. Le projet va un peu prendre fin, mais pas un peu, va prendre fin lorsque Falardeau va rencontrer le gérant de Scott qui va lui demander combien ça paye faire ce documentaire-là. Et Falardeau va réaliser qu'aux États-Unis, tout va fonctionner avec l'argent et il va se retirer du projet par manque de fonds, en fait. L'idée pour le steak vient d'une nouvelle de Jack London qui s'appelait A Piece of Steak, qui est parue en 1909 dans le journal Saturday Evening Post. Manon Leriche, qui est la compagne de Falardeau, va s'intéresser à cette nouvelle-là qui raconte l'histoire d'un boxeur en fin de carrière qui accepte de faire un combat contre un jeune poulain qui monte dans le métier de boxeur. Le combattant vieillissant désire manger un steak avant son combat contre le jeune aspirant, mais pourra pas le faire, puis il va perdre le combat et va blâmer le fait qu'il n'a pas pu manger son steak avant le combat. Manon Leriche va travailler sur une scénarisation de cette nouvelle-là, puis Falardeau va l'encourager, puis il va devenir son co-scénariste, puis va décider de l'aider avec ça. Au départ, c'est censé être une œuvre de fiction,
muet quand le boxeur Gaëtan Hart, le boxeur québécois Gaëtan Hart, va annoncer son retour sur le ring à l'âge de 37 ans, 1990. Falardeau va convaincre Manon Leriche d'abandonner le projet de fiction puis de tourner à la place un documentaire sur le retour de Gaëtan Hart qui s'apparente un peu à l'histoire aussi du boxeur vieillissant que je viens de raconter dans Piece of Steak. Ce qui est important pour Falardeau à ce moment-là, qui va co-réaliser avec Manon Leriche, c'est que la boxe va être pour lui, dans le cadre de ce documentaire-là, seulement un prétexte. Pour lui, l'important, c'est vraiment la démarche, la lutte, le combat contre les autres, mais aussi le combat contre soi-même, qui pour lui est une étape cruciale dans le développement de l'être humain. Ce qui est intéressant dans le steak, c'est qu'on voit un petit peu tous les valeurs qui sont importantes pour Falardeau. On voit que Gaëtan Hart, c'est un boxeur québécois. On va voir un peu qui est humilié parfois parce qu'il ne peut pas gagner sa vie en tant que boxeur. Donc, il doit accepter des métiers qui sont un petit peu plus ingrats, disons. On va le voir travailler sur un chantier de construction. On le sent un peu humilié. Pour lui, il voudrait être un boxeur. Il veut pas travailler comme tous les autres. Donc, on voit un peu l'espèce de combat du Canadien-Français à travers un petit peu là, contre l'establishment. Donc, c'est une très bonne représentation là, du combat du Canadien-Français typique là, à travers le scénario de la boxe. On voit aussi l'influence de Michel Brault qui avait tourné La Lutte, qu'on a parlé, parce que le début du steak, ça reprend un petit peu le début du documentaire La Lutte. On voit le corps de Gaëtan Hart en plan rapproché, on tourne autour de lui et on fait jouer de la musique free jazz en même temps, ce que Falardeau aimait beaucoup aussi comme musique. Donc c'est un film qui est différent des autres dans la dernière partie de la filmographie de Falardeau, mais qui est très intéressante, qui reste définitivement un film à découvrir là, pour les amateurs de Falardeau. Et vous avez dit aussi que Pierre Falardeau avait une belle plume. Est-ce qu'il a vraiment publié des livres? Oui, il a publié plusieurs livres, en effet. Par contre, c'est souvent c'est soit des scénarios, souvent de ses films, qui sont un peu différents d'ailleurs des films comme tels, parce que souvent au montage et tout, lors des réécritures, on change. Des petites choses ici et là, mais souvent les scénarios sont légèrement différents. Mais oui, il a publié plusieurs scénarios de ses films. Il a aussi publié une série de textes qu'il avait écrits qui ont été publiés ou pas, parfois dans certains journaux. Il y a plusieurs livres qu'il a fait comme ça. Je dirais que La liberté n'est pas une marque de yogourt, c'est peut-être son plus connu, et qui est très très bon aussi. Puis si je peux vous suggérer, le dernier qui a été publié de son vivant, c'est Rien n'est plus précieux que la liberté et l'indépendance. Ça, pour lui, c'est. Je dirais que c'est un peu. Je dirais pas que c'est son testament, mais c'est très intéressant. Puis ça ramène un petit peu là, tout ce que lui croyait là, sur plusieurs niveaux, puis plusieurs facettes, un petit peu de sa personnalité. Puis un petit livre aussi qui a été publié, qui sont des entretiens politiques avec Pierre Falardeau. Le livre s'appelle Québec libre. Il a été publié aux éditions du Québécois. Puis, c'est sous forme d'entrevue, évidemment, c'est pas des textes que lui a nécessairement écrits, mais c'est très, très intéressant un peu pour comprendre là, l'œuvre du personnage et l'homme derrière le polémiste aussi. En terminant, je vais vous poser une question dont on ne trouvera pas la réponse dans les livres ou les manuels ou peut-être même pas la biographie, mais croyez-vous qu'il est mort incompris? Croyez-vous qu'il est mort un peu insatisfait? J'ai l'impression que oui. J'ai vu une entrevue de lui qui a été tournée, je crois, 2 mois avant sa mort. Il était allé faire une conférence dans un cégep, puis il parlait, puis il avait l'air... Il espérait encore, je crois, réussir à allumer la flamme. Puis il voyait les jeunes, puis ça le motivait, parce qu'il se faisait beaucoup poser des questions sur l'indépendance, puis le mouvement, puis... Il avait une confiance vers l'avenir, mais je crois qu'il est demeuré incompris par une grande partie des Québécois parce que il a été un petit peu mal représenté dans les médias.
parfois par sa faute, parfois c'était moins de sa faute, mais je crois que la façon de passer son message a parfois embrouillé son discours et le message qu'il voulait passer. Donc, je crois il est parti, il nous a quitté un petit peu incompris de ce qu'il voulait vraiment accomplir. Par contre, quand on regarde son œuvre par la suite, je trouve ça dommage, mais je crois que c'est quelqu'un à redécouvrir et qui va vraiment rester là, important dans l'histoire du Québec. Puis j'ai lu qu'il avait trouvé à un moment donné la fin du testament, le testament plutôt de Chevalier de Lorigny, qu'on a vu tantôt dans le 15 février 1839. Puis il dit qu'il est venu les larmes aux yeux à la fin du testament parce que les derniers mots c'était vive la liberté, vive l'indépendance. Puis je pense que pour une génération de Québécois indépendantistes, ces mêmes mots-là aujourd'hui sont tout aussi émouvants, mais nous rappellent plutôt Pierre Falardeau. Je crois que grâce à vous, il va y avoir une couple d'auditeurs qui vont vouloir aller regarder ces films et dépoussiérer quelques-unes de ses œuvres. Alors, je vous remercie beaucoup, Frédéric Poulin. Merci. Merci de l'invitation.